Évidemment, nous sommes mardi. Donc mardi, comme vous le savez, c'est mardi Goubi. Puisqu'on est sur Isaac. La semaine dernière, par exemple, on était sur le Twitch Rival Stardew Valley. Mais cette semaine, nous sommes sur Isaac. Du coup, mardi Goubi. Du coup, générique. C'est à travers de larges grilles que tous les animaux du chat contemplaient un puissant gorille, jour de façon inadéquate. Avec impudeur ses fripouilles, trouvèrent une idée de génie. Des défis semant les embrouilles, mais sauvant tous les mardis. Gare au Goubi! Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, on va se mettre l'OST, on va se mettre une OST ce soir qui n'est pas, comment dire, sur YouTube. On va toper un Dust Force au pif. Donc, bonjour, évidemment. La dernière fois qu'on a fait un Mardi Goobit, c'était il y a 2 semaines, et on avait tout mis sur YouTube, genre 2h30 de VOD. Je pense qu'on va être un peu plus gentil cette fois et pas mettre toutes les runs. Du coup, vous allez pouvoir bourrer dès maintenant. Je vais créer le raffle. Vous pouvez taper point exclamation défi dans le chat, ça se passe comme ça. Et vous pouvez le faire dès maintenant. Voilà. Et évidemment, c'est vrai qu'on avait remarqué la dernière fois que c'était Rigged. Non ? Ah, je sais plus. Il n'y avait pas un délire de Rigged ? Non, c'était pas Rigged. On va voir, là, je suis... Pourquoi tu me mutes ? Mais je t'ai pas mute. Ah, non, je me suis mute. Allô ? Ouais, est-ce que je mute ? En fait, j'ai un truc qui mute tout pendant que je suis en générique. Et du coup, je me suis pas démute. J'ai pas un truc qui démute tout. Pire. Le pire. Ouais, je suis le pire. Ape Out, mise à jour, on s'en fout. Oh, c'est ton jeu. Ah, c'est mon jeu, mais la mise à jour, là, tout de suite, je m'en fous. J'ai remarqué d'ailleurs que la prochaine mise à jour de Hades, c'est la semaine prochaine. Et ça, ce qui j'ai, c'est ton jeu. La dernière fois, le premier était tiré quasi tout le temps. Alors, attendez. Là, je suis le premier à être rentré dans le défi. Ensuite, c'est Janara Noy. Donc, voyons voir, je tire quelqu'un, Dro entrant. C'est Draela. Draela est rentré dans le... Quand est-ce que Draela est rentré ? Bah non, non, c'est y a pas de rigade ou quoi, c'est normal en fait. Genre Draela est en plein milieu, GG. Donc Draela, tu as gagné. Tu peux nous te proposer un défi. C'est maintenant. Draela underscore. Paf. Undercover. Undercover. Le micro-show. Tu l'as encore en tête ? Ah désolé. J'ai écouté hier du coup. Je ferme le raffle. Alors évidemment, faut que Draela... Ah, tu l'as écouté ? Ah mais pourquoi faire ? Parce que j'aime bien. Tra le pire. Ouais. Ça arrivait 3 fois à la suite, donc c'était bizarre. Ouais, je sais pas. The Forgotten, Mega Satan, 20 minutes. Hein ? Bonjour. The Forgotten, Mega Satan, 20 minutes. Petit échauffement, là. Oh là là. 20 minutes. Ah non, mais là, je reset. Ça, c'est obligatoire. 20 minutes, je suis obligé de prendre un starter. Bon, évidemment, ça fait 0-0 entre vous et moi. Je remets le score. Oh, il fait même pas une saison entière. Bah, je peux vous rappeler les scores. On peut rappeler les scores. Si tu veux qu'on rappelle les scores, je rappelle les scores. Si on va là et que je fais... Non, c'est pas ici. Faire le match aller, le match retour. Bah, comment... Attends, où est-ce que j'ai placé ce truc ? Merde, c'est où déjà ? Games ? Je vais dans mon dossier perso. À Goobit. Actuellement, je mène 13-10. J'ai gagné 3 fois, vous avez gagné 2 fois. Quand vous avez gagné 3 à 1, vous avez gagné 4 à 2 la semaine dernière. Quand j'ai gagné 4 à 1, 2 à 1 et 4 à 1. Donc ça fait 13-10 en tout. Voilà pour l'histoire. Merci Grazail. Reset is ok. Et merci Jivoirien pour ton retour. Merci à tous. Merci Grazail pour 15 mois et Jivoirien, bon retour. Même si j'ai l'impression que t'as fait ton sub la semaine dernière, Jivoirien. Tu dois peut-être le réactiver. Bon bref. Forgotten, 20 minutes. Mega Satan. Donc il nous faut un starter. Ah mais les starters, quel enfer. Les starters, là, on n'est pas en... on n'est pas en racing mode. Ah, quelle brasse. Même hier. Ah, on est d'accord. Hein. Tu le fais tous les jours. Mais vas-y, dis, t'as fait quoi aujourd'hui? T'as dû le remettre? T'as dû le reclaquer? T'auras jamais de start en hard. Ouais. Non mais sinon après, si genre là en 2 minutes j'ai pas de start, c'est pas grave. Hein.
on part et puis point barre. Hein. C'est vrai que dès que vous mettez des conditions de speedrun, enfin surtout que là c'est speedrun, mais c'est méga Satan, ça veut dire que je suis obligé d'aller dans les godrooms et tout. Ça va vite quand même. Trop putain, j'avoue qu'en en hard, il y a tellement pas d'item room à côté. Il y a plus d'item room en normal. Attends, faut voir ça. C'est rigolo. Pouvoir tester. Ah, c'est pas clair les item room. Hein. Putain, le racing mode, il arrive à proposer plus d'item room, c'est fou. Une item room. De la merde. Une item room. De la merde. Une item room. De la merde. Test les sacrifices avec la soul, j'avoue. Une item room. De la merde. C'est une constante. J'avoue que quand vous me donnez un truc de speedrun, j'ai le droit au reset quand même, sinon c'est chaud. En vrai, tu me files un couteau, c'est gratuit. Hein. Le pentagramme. Halo of Flies, de la merde. Je veux juste de l'attaque. En vrai, même avec un Magic Mush, je pars. C'est juste que genre partir sans attaque, là, c'est compliqué. Hein. Blood of the Martyr. Oh, vous savez quoi? On n'a qu'une vie. Hein. YOLO. Bah les couilles. On aura ce qu'il faut sur la route. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Ah! Let's go. Ouais, faut y aller, sinon c'est mort. Salut Elphénix, salut à tous. J'espère que ça roule. En ce mardi. Oh bah Magic Mush, bah voilà, c'est bon ça. Voilà, là on est parti. Oui, je le sentais. Ça, il avait, cette run avait une run de on va gagner. Tu adores Jurassic Park. Hein? J'ai pas les refs là. T'es encore en train de jouer The Messenger? Je suis engagé à finir les jeux. Y a pas le temps plus score. Comment ça? Ah, le temps en haut si tu veux. Ouais. Je peux le mettre. Je vous mets le temps, mais en fait ça me dérange. Putain, mais méga Satan en 20 minutes tout de même. Hein. Faire se bouger la nuque. Allez, vas-y, donne des trucs là, donne des queutrues. Oh, il fait mal. Il fait mal. Ouf. Le nonos qui pique. Cross la référence, nos soucis. Ah, c'est vrai que dans Cross, ils adorent Jurassic Park. Bon, attendez, est-ce que je peux faire un truc là? Bah non, il me faut des Godroom. Oh putain, j'ai failli perdre le défi tout seul. Attention, parce que la dernière fois, j'avais perdu sur des erreurs de concentration. Cette semaine, je suis concentré, promis. Je suis ultra concentré. Utilise ma soul pour les coffres. Il me faut des bombes. Il me faut des bombes pour les anges. C'est quoi ça? Non. Merci Guitanim pour un an de sub, des bisous. Merci beaucoup. Bon, ça m'a fait trop du bien de reprendre Kaizo Mario cet après-midi. Sans déconner, le tryhard, ça m'avait manqué de ouf. Ça m'avait manqué de tryhard comme un goal but. Putain, one shot pas, one shot pas, one shot pas. Ça en one shot. Putain, one shot les têtes de grid. J'ai pas de clé. Donnez-moi une putain de clé. Donnez-moi une clé. Parfait. Bah la soul elle vole, mais on peut ramasser plein de trucs avec le bâton aussi. Avec le nonos. Ça, je sais pas pourquoi, je le tente. Normalement, ça n'aura aucun impact. 2 minutes 27, ça va. Il faut juste très rapidement des Godroom. Si j'ai pas de Godroom, en fait, je suis baisé et je perds pour rien, quoi. Bon. Cube of Meat. Pourquoi tu bombes, tu voles? Non mais oui, c'est débile. En fait, j'ai juste à faire ça. Hein. C'est débile. Suffit qu'on en parle pour que je le fasse pas, en fait. Le cordon électrique, on s'en fout. J'ai toujours pas de clé. Je crois que je peux ouvrir les coffres. De toute façon, je peux voler, hein. Mais il me semble que, juste pour vérifier, nous pouvons ouvrir les coffres comme ça aussi. C'est incroyable. Incrédible. Ah non! The Sun, très bien.
Allez, tiens. Il y a une clé. La clé, il me la faut. Ok. On va reprendre la clé, aller chercher l'item room, remonter tout ça, là. Remonter le loser bracket. C'est parti. Il peut ouvrir les coffres qui font mal, c'est assez craqué. C'est vrai que lui, il peut ouvrir les coffres... Putain, tu peux totalement ouvrir les coffres à pic sans te prendre de coups. C'est plutôt fort. Bah, The Lost peut le faire aussi. Mais bon, faut pas trop faire toucher dans la salle. Ouais, The Forgotten, c'est assez craqué comme personnage. Tu vas au shop mettre 10 pièces dans la donation, ouais. Pour augmenter les chances d'avoir des God Room par rapport au Devil Deal, c'est la bonne strat. Après, là, j'ai pas assez de clés, malheureusement. Le jeu ne veut pas me donner de clés. Ah non! Non! Oh putain, je suis allé dessus. Allez, se brique. C'est un perso officiel. C'est un perso totalement officiel. Non, mais il me faut des God Room. En vrai, si j'ai pas de God Room, c'est dégueulasse. Si j'ai pas de God Room, c'est dégueu. Surtout qu'on est déjà à Depths 1. Ah putain. J'ai piqué la mauvaise run. Faudrait trouver une sacrifice room, mais même avec une sacrifice room, c'est pas donné quoi. Ouais, mais sacrifice room, c'est pas donné. Faut déjà avoir des cœurs. C'est chaud. Hein? Oh, genre, je les one shot pas, putain. Merci beaucoup Aurélien Vézage pour 29 mois, des bisous. 29 mois. Oh, j'aurais pas dû bomber. Mais quel débile. Je vais chercher les bombes du coup. Il me faut les ressources. 5 minutes 14, le temps défile. Putain, j'avoue un petit dead skill. Hein. Plus simplement un Mama Mega. On est à Depths 1, ok. Allez, j'ai encore de l'espoir. Oh, putain, what the fuck. Ah non, mais barrez-vous. Oh, really, quoi. Really bad. Putain, ça a zéro knockback, le... Ok. Nice. Très très bien, ça. Holy Light, je ne sais pas si ça a un impact. Ouais, je crois que des fois ça donne des coups de batte Holy. Pas du tout. Zéro. Ça donne zéro ce qu'on pensait. Allez, je me tire. Ça marche avec l'os? Vous avez le nom hein, des coupables. Ceux qui proposent les runs, vous avez des noms affichés à l'écran. Si jamais vous voulez vous plaindre du défi, c'est pas à moi du coup. Encore faut-il avoir la deuxième. Bah, ce qui est bien, c'est que la première clé booste nos chances d'avoir une God Room par rapport au Devil Deal. Donc si on doit avoir une salle, ce sera potentiellement plus une God Room maintenant. Mais bon, c'est comme tout. Hein. Ah mais ça marche. Ah. Des bombes, putain. Refait comme Jaja. Je veux pas perdre mes chances de ça, là. Que chez Joe Carroll que ça drop. Je sais pas. Je crois que t'es le seul à le dire. Hein. C'est pas la première fois de Joe Carroll. Putain, c'est pas par là. Tête. On peut le faire. T'es toujours contre le dragon? Quoi? T'es toujours contre le Drake? Non, je suis contre un démon. Ah oui, c'est vrai que t'étais dans les enfers. Ah oui, le démon, il est chaud. Barthal Azael. C'est Barthez Azael. Go. Mom rouge, parfait. Bon, par contre, ce serait bien de tomber. Putain, mais elle bug vraiment beaucoup, Mom, en ce moment.
Je sais pas d'où ça sort, mais... Ça doit être le Shizangine, je pense. Pff. Non. Putain. Mais... Tu vas me laisser tranquille, bordel? Et putain. Je suis un peu nul, là. The Polaroid. Bon, j'ai encore deux chances d'avoir ce que je veux. J'ai aussi deux chances de me faire baiser. Au secours. Olilight, c'est basé sur mes dégâts, bien sûr. C'est pour ça que c'est ultra craqué, Olilight. Ah non, pas cette salle. La salle du démon, t'es obligé d'attendre. Quoique là, j'ai pas mal de speed, donc ça passe. Non, je suis trop con, putain. J'ai limite envie de claquer The Sun, parce que si je perds mes chances de... Ok, non, c'est bon, il y a un cœur rouge. Si je perds mes chances de DD, clairement, je suis pas bien. Non. Eh si. Je suis pas bien, Scrollex, really? Really bad. Ah, quoique Scrollex, c'est sûrement plus simple avec ce perso, en fait. Ouais, c'est assez gratuit. Nice! Bloodclot, je crois que ça n'a aucun avantage. The Wafer, je pense pas que ça en ait non plus. Par contre, ça, pour ralentir tout le monde au corps à corps, c'est plutôt bien. Oh, on est bien, on est bien. Niveau temps, il nous reste... C'est vrai qu'il faut que je vous réactive le temps. Il nous reste 11 minutes. On a la clé, il nous reste 11 minutes, on est bien. On est vraiment bien. C'est ça, peu... Mais... Skija contre Barthezael. Il ressemble un peu à Vincent Lagaffe, je crois, le démon, non? Je vais te dire ça tout de suite, là, quand je reviens vers lui. Il me semble que c'est un peu un Vincent Lagaffe avec de la barbe, là. Avec une barbichette. Ah, j'avoue. Avec des cordes. Ouais, bah oui. Avec des cordes et une épée, surtout. C'est un démon. Et putain. Ah, j'en peux dire comme ça. J'ai bien un os sur deux qui est rouge. Ah ouais, donc Bloodclot, putain, mais en fait, Forgotten, tout marche avec lui. Tout fonctionne. Même Bloodclot. Vas-y, vas-y, vas-y. Les bats. Oula. Ah non, mais c'est bon. Putain. Il va me casser la gueule, putain. Ah non, le bâtard. Oh, c'est trop fort. Barthez. Barthez à elle. Non. Ah, oh, j'aime pas ça. Mais c'est bien, vous êtes en train de me train au speedrun sur The Forgotten. J'apprécie. Anti-gravity, c'est OP avec lui. Je crois que j'ai jamais joué Anti-Gravity. Couteau, c'est OP avec lui. Tu pourras faire le R+15. Oh putain. Tout mais pas ça. Quoi. Ça dure 2 heures, son feu là. Putain, dégage. Barthez là. Putain, j'ai pas des dégâts insane, hein. Méga Satan, ça va être un peu chiant quand même. Allez, let's go. On va utiliser The Sun directement. Putain. Allez, encore 8 minutes. Faut pas que je passe trop de temps sur les boss. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Quel brasseur, putain. Mec, il m'a fait une attaque, j'ai jamais vu ça, putain. Oh, le pire des brasseurs, putain. Je vais...
Il a mis ses fossiles et il les a fait entre les fossiles. Ah le bâtard. J'ai pris la max. Alors c'est des épées à la base pour passer devenir des fossiles. Ça vient. Vas-y, viens là, viens. Merde, je peux. Viens là, viens. Viens. Viens de voir si t'es un homme. À l'autre côté. L'autre côté. J'ai en train de faire de la merde. L'un d'un côté, l'autre d'autre côté. Moi je suis mort. File un cœur. Quel bâtard. Allez. Il joue pas au Bradin. Enfin, le mec qui joue au Bradin comme ça. Putain, enculé. Qu'est-ce qu'il fait? Putain, quel bâtard. Allez, plus que 7 minutes. Ok. J'aurais apprécié avoir des cœurs rouges. Tant pis. En fait, il fait peur avec son épée, mais. C'est un naze. T'es un naze. L'un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Mais fatigue-toi là un peu là. Pep. Bon, allez, invoque pas trop de connards, s'il te plaît. La skiche qui joue, c'est au patrimoine de UNESCO. Clairement, il faut le protéger, skija. Il faut le protéger des méchants jeux vidéo. En plus, ça le rend violent. Les pires jeux, quoi. Kaizo Mario 2, il y aura des montages de prévu, bien sûr. Alors, quand, pourquoi, qui, ça, je peux pas vous dire, mais... Mais c'est impossible. À long terme, bien sûr. Mais c'est impossible d'esquiver cette merde. Comment tu esquives ça? Je sais pas, j'ai pas ton gameplay. Il joue à The Messenger. Les fossiles. Oh merde, enfin, les épées, quoi. Mais qui tournent avec du feu entre les épées là. Je sais plus, mon gars, genre, essaye de trouver sur mon replay. En Proctosis. Ah bah, je fais du bon référencement. Je te demande de l'aide. Quand je te demande de l'aide, tu fais de la pub, quoi. Mais parce que je sais plus, putain. En plus, mon YouTube, il est pas rémunéré là. Qu'est-ce que tu veux, il est pas monétisé. Putain, vas-y, pète-lui les mains là. Putain, mais ça marche zéro, je fais pas de dégâts. Mais non. Je suis baisé. Vas-y, je vais aller voir tout le monde. Non, je vais pas les voir, moi. Je suis plus fort que ça, moi. J'ai pas besoin d'aide. Tu sais que t'ailles voir maintenant ou dans 10 minutes, c'est pareil, hein. C'est pas parce que t'as refusé une fois de l'aide que... Non, mais je vais refuser jusqu'au bout, c'est tout. Ok. Les fossiles de feu, putain, ça me rappelle rien. T'es full stuff, au moins? Non, il manque un truc. Bon, j'ai un chapeau feu d'Allah. Et ça. Le chapeau feu d'Allah. Ça vaut tout l'heure du monde. Ah, le chapeau feu d'Allah. Moi, j'étais en panneau terre d'Allah en Yop. Hein. La panneau terre d'Allah. Ah non. Le vrai panneau, quoi. Avant la panneau Bwork. Avant la panneau Melou. Avant la. Putain, mais quel enfer! Pète-lui la main, là. Tiens. Moi, je vais lui péter la main. Putain, j'ai fait de la merde. Tant qu'il fait pas ses... Ça fait zéro dégâts, en fait, ce connard. Ah, quand il y a Holy Light, par contre, ça pique. Ça picote. Grelotte, ça picote. Il va faire ses fossiles. Oh, putain. Ah, mais je suis trop nul. Oh, cette esquive de génie. Bon, clairement, c'est pas mon main, Forgotten, hein. Tiens. Ah, il faut que je pop plus de laser, ça les dépop tellement. Ça a l'air de faire tellement de dégâts, Holy Light. Putain, je me fais toujours baiser avec ça. Ok, nice. Là, je me fais toujours baiser. Ah, la solo monk PA, putain, j'avais une solo monk PA, quoi. Tellement craqué. J'avoue. Tap. Tape. Encore. Oh, c'est bien, il tank pour moi. Ouf. Ah oui, non, mais dès que tu mets un coup de batte,
Allez, allez, mon gars. Le premier défi gagné. 17 minutes. Mine de rien, même avec un build incroyable, on a mis 17 non, mais minutes. Comment je... GG. Non, mais mec, c'est à travers de larges grilles. Ça n'a pas de sens. Tous les animaux du chat. J'ai gagné. 1-0. Paf. Moi, je joue contre Megastein aussi. Méga Barthezael. GG, well played. Draela, j'ai gagné. Nous allons donc pouvoir refaire un raffle. Alors attendez, je ferme le raffle. Je ferme celui-ci. Archive le raffle. Je crée le giveaway. Je refais un raffle. Et c'est parti. Vous pouvez d'ores et déjà. Point d'exclamation défi. À partir de quand je le mets, vous pouvez le mettre. En fait, dans le chat, quand je le mets, c'est que c'est ouvert. Vous voyez ? Faites-vous cette barre-là. Vous êtes sélectionné à partir du moment où je le mets. Ah! Je le bruine! Bouh! Bouh, on te dit. Tu l'as dit, mais ça a dit deux. Non, non, mais de toute façon, tu peux pas bourrer plusieurs fois. Si tu bourres plusieurs fois pour l'escalation des filles, ça sert à rien. Faut le savoir. Vite rouge. Ah non, pas ça. Vraiment pas ça. Putain, je l'ai esquivé. Tu farmais les Gélano PM? Non. Okay, okay. J'étais pas un farmer sur Dofus, moi. Ok, je sauf pour Boulanger. Boulanger, j'ai farmé. Hein. Du coup, j'ai farmé Paysan aussi. Peut-être. Il était mort. Il a dit qu'il y avait deux entrées dans le giveaway. Ah oui, parce que t'as réussi à le faire avant moi. Mais c'est bon, ça marche. Du coup, let's go, je vais tirer quelqu'un au sort. Et ce sera donc Néochrome qui a gagné le raffle. Néochrome, tu peux nous donner ton défi. S'il te plaît, et nous le réaliserons avec grande joie. Néochrome. Je voulais dire Onan Streak, juste le challenge Onan Streak. Ok. Ah, l'onanisme. L'onanisme. Ah, Onan Streak, ça peut être compliqué. Hein. Ça peut être chaud. Merde. Mais si tel est ton désir, Onan Streak, où est-il? Mais non, il est où, Onan Streak? Hein? Ah, Onan's Streak. Okay. Let's go. Donc Onan Streak, pour rappel, nous n'avons pas le droit de louper de tir. On a de Chocolate Milk et quand on loupe un tir, on perd de la vie. Donc il faut faire très attention. Comment ça, 29? Ah oui, vous avez spam le move. Attendez, j'archive le giveaway. Comme ça, vous pouvez pas. Paf. Mais j'ai plus le chat. Paf. C'est un défi que j'aime beaucoup, Onan Streak. Je le trouve très stylé. Et il est très important. Non, mais putain. Je vais arriver. Par contre, j'ai chié. Faut pas recharger, en fait, sur de manière automatique, comme je viens de faire. C'est débile. C'est très important de savoir placer ses larmes. Ouais. Cette erreur que de ma part, d'ailleurs tout de suite, erreur commise directement par le joueur. Quel enfer. À cause des monstros de merde. Le cœur rouge, j'aimerais bien le récupérer, s'il vous plaît. Merci. J'ai une clé, mais j'aurais pas de quoi acheter un cœur bleu. Il faut que j'arrête de prendre ce réflexe de charger mon tir. Merci beaucoup, Bamio45, pour le Twitch Prime. Des gros bisous, bienvenue. Enfin, re-bienvenue, 15 mois. Des bisous. Oh, c'est sale ça. On leur met 3 coups, really? Ah oui, quand même. Oh mais non. Saint-Oile, c'est bien, on booste nos dégâts encore une fois. Par contre, j'ai pas de quoi m'acheter un cœur bleu ni rien, c'est relou. Salut Théozen. Je perds un demi-cœur par... En fait, je prends un coup. Par tir manqué. Sachant qu'à partir de Womb... Je prends un coup entier. C'est limite mieux. Deux gros boss, ça fait moins de chances de les rater. C'est vrai. Quel enfer. Pas faire le con. Le cœur blanc, il se met très très bien ici. Faut juste pas que je le perde. Ça, je crois que ça compte. Bah, heureusement. Hein. J'ai pas très envie de perdre le cœur blanc, je vous avoue. Connaître, c'est un cœur bleu.
Nice. Ok, donc là, dès qu'on commence à avoir de la vie, on est vraiment bien plus safe, c'est pas mal. Non, mais il me semble que ouais, c'est vraiment un demi-cœur, sauf quand t'arrives à Wound, où là, ça commence à être des cœurs entiers. En fait, c'est comme si tu te faisais toucher par un ennemi normal, je crois. C'est ça qui est simulé. Putain, mais chier. Je me demande ce que ça donne si on arrive à choper un couteau. Je crois qu'il y a des objets, faut vraiment pas les prendre. Hein. Cat and Nine Tails. Le bouquin il se met assez bien à vrai dire. Ah mais attention, faut pas que je ramasse trop de bouquins parce que si j'ai double shot à un moment, je pense que ça se met vraiment mal double shot pour le coup. Par contre juste pour les cartes, les cœurs, tout ça, on se met plutôt bien. Brimstone, Koutal, ça annule l'effet. Ah ouais. Ouais donc c'est craqué en fait. Faut surtout pas Godhead ou double shot. Double shot c'est pas top. Ouais double shot c'est trop chaud parce que si on touche pas les ennemis, on se baise nous-mêmes. Donc il faut pas le faire. Le petit cœur bleu. Enfin quand je dis que Book of Sin c'est craqué en vrai c'est vrai. Grosse inspiration pour ce défi alors qu'il y a moyen de faire des trucs tellement plus fun. De quoi? Ce défi de manière générale? Alors attention, hein. Rappelez-vous d'un truc, si vous gagnez le giveaway, vous êtes le maître. Donc vous pouvez donner ce que vous voulez en emmerdant tout le monde. Bah à condition que ce soit pas impossible. Mais c'est, vous avez totalement le droit de demander un défi. Hein. Enfin, je veux dire, typical, t'étais pas là quand j'ai fait Onan Streak sur les saves. Bah, tu peux demander à le revoir en direct, quoi. Cricket's Body. Bah de toute façon, tout ce qui split, tout ce qui fait plus de tirs, en vrai, on le veut pas. Hein. Triple shot, quad shot, tout ça, genre, c'est suicidaire. Avec Godhead, tu peux tuer les ennemis avant que les larmes touchent. Speed, je crois qu'on l'a proposé récemment. Je sais plus. Il me semble. Alors, faut faire attention parce que là, les mouches, si elle tue l'ennemi et que j'envoie ma larme en même temps, je suis pas bien. Je suis mal. Mais non, mais je suis... T'es beurre. Je suis pas dedans. Le défi le plus relou qu'on m'ait donné, je sais pas, il y a eu un défi très très dur une fois, et on l'a réussi quand même. C'était The Lost, dès que le D4 est disponible, tu l'utilises, et tu vas jusqu'à Mega Satan en moins de 20 minutes. Je crois qu'on a réussi ça une fois. Sur le papier, ouais, c'était beaucoup trop dur. C'était sur le GBT en plus. Ouais. Sur le papier, c'était beaucoup beaucoup trop dur. Et finalement, on a réussi. Donc GG. Attends, les two shot quoi. Trop fort, Chocolate Milk. Non. Oh, il m'a fait la feinte du tigre. Quel bats. Régénération plus HP up, c'est très bof, mais ça passe. De toute façon, on a besoin d'aller jusqu'au bombe, c'est tout. The Lamb, pas Mega Satan. C'était juste The Lamb. C'est pire, en vrai. Ah oui, The Lamb. On n'avait pas un build complètement débile d'ailleurs à l'étage de The Lamb, je sais plus. C'est vieux tout ça. Hein. Tu pouvais donner la même chose sans Mega Satan. Bah en vrai j'ai l'impression que toutes les semaines on l'a le The Lost D4 en vrai. Le The Lost D4 on l'a tellement eu. Allez vas-y. Yes. Yes. Tu l'as buté? Je l'ai buté. J'ai buté. Sa gueule. T'as buté les fumiers. Au buté! Pouf. Ouais, mais je peux pas spam facilement en fait. Et c'est chiant. C'était pas le shop en haut à droite. Ça devait être une bibliothèque ou une salle bloquée. Faudrait peut-être que je trouve un shop quand même. On veut pas de piercing tir aussi. Hein. Il me semble que si je prends genre Death Touch, je suis pas bien. Hein. Parce que du coup, les larmes vont traverser. Ah, quoique. Est-ce que le fait de traverser un ennemi compte? Je sais plus. Le dragon. Move the Void, c'est pareil. Je sais pas si c'est la bonne idée.
Abaddon, c'est toujours une bonne idée. Move the Void, je suis pas sûr. Si elle touche une cible, c'est bon. Tant que ça touche, c'est bon. Ah ouais, c'est craqué en fait. OMG, Mo, carrément. Ouais, Mo of the Void, t'es quand même obligé de... L'alarme que t'envoies en premier, faut qu'elle touche l'ennemi. Mais j'avoue que c'est craqué en fait. Si Mo of the Void, y a pas de pénalité dessus, c'est crax. Merde, mais je suis full vie, pourquoi je viens ici, je suis trop con. Mo of the Void, fausse bonne idée, Imo. Mo, ne fût-ce que pour le dommage up. Ouais, ouais. En vrai, c'est pas très grave. En vrai, c'est pas comme si le jeu te demandait d'aller ultra loin. Ah si, il faut aller quand même jusqu'à Isaac. Bon, en vrai, ça va. PK, c'est chiant. Je sais pas comment ça marche. Et tu sais, après, un défi IPK où faut envoyer tout au corps à corps, parce que là, en fait, si on avait IPK, il faudrait tout envoyer au corps à corps, c'est validé. En vrai, ça existe déjà dans le jeu. Le défi où t'as IPK et les tirs miroirs, tu te retrouves à faire que du IPK au corps à corps. Parce que sinon, c'est trop l'enfer. Enfin, tu fais des tirs directs. Du point blank. Aïe. Pam 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 pam. Wheel of Fortune. Suicide King. Ah oui, le challenge, c'est vrai qu'il s'appelle Suicide King. Et d'ailleurs, il débloque la carte Suicide King aussi. C'est-à-dire que challenge de merde débloque un truc de merde, je sais plus. Je crois que je me pose la question à chaque fois que je fais le jeu. Mais c'est vrai que de toute façon, la plupart des Devil Deal, si t'as un bon... Enfin, la plupart des challenges, si t'as un bon Devil Deal, le challenge, il n'a plus de sens, en fait. Aïe. Ah quoi, ça a pas compté, là? Je crois que j'aurais dû prendre un coup, hein. Je vais ouvrir l'armoire. Bon, je peux toujours pas acheter la dernière... Ah, tu vas ouvrir l'armoire, là? Ouais. Ça, c'est tellement le meilleur moment du jeu. C'est le lore. Prépare-toi à te faire un peu brasser, par contre. Je suis devenu comme lui. Tu es maintenant un boutiquier. Ah ouais, je suis boutiquier. C'est lui qui se barre au calme. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que le jeu a... Je sais pas, le jeu a dû se dire que j'ai touché. Alors que j'ai pas touché. Hein. Après, il me semble que quand on arrive au womb, c'est un dégât par un dégât pris. Hein. C'est la brasse. Ah bah oui, c'est la brasse. Est-ce qu'il a joué à un jeu surcoté? The Messenger surcoté? Moi je me casse, je suis outré. Je suis outré. Je suis pas outré, mais c'est la première fois que j'entends ça. Pourquoi surcoté? Est-ce que je viens des Flandres pour aimer autant la brasse? C'est quoi la brasse dans les Flandres? Parce que je viens pas de là-bas. Finir une game, n'importe quelle fin, avec Eve en explorant pile 100 pièces, vous en pensez quoi comme idée? En explorant... Quoi? J'ai pas compris. La bière. Nah, la brasse, c'est plus que de la bière. En visitant sans room.
Pièce égale salle. Ah ! En visitant max 100 pièces. Je pense qu'il y a plus que 100 pièces anyway, non ? Je pense que c'est chaud. Donc Eye of Belial, vous me dites que ça marche. Ça fonctionne. Ça l'effectue. On va tester. Si c'est pas le cas, je suis vraiment dans la merde. Hein. Le mode pour faire des resets rapides. Alors, c'est le Racing Mode Plus. Donc le Racing Plus. Pour les modes, tu vas dans le workshop d'Isaac. C'est-à-dire sur Steam, quand tu vas lancer Isaac, en dessous, il y a tes succès. Et en dessous, il y a le workshop. Tu vas sur le workshop pour télécharger des modes. Et tu prends le Racing Plus. Tu tapes Racing, tu vas trouver. Ce qui j'ai sur The Messenger. Mais du coup, on n'a pas eu d'explication de pourquoi The Messenger, c'est un jeu surcoté. Moi, je suis ouvert au débat. Je suis totalement ouvert au débat. Non, mais c'est une question qui revient souvent en ce moment, donc je préfère y répondre. Comme ça, au pire, si d'autres personnes demandent, le chat sera briefé. Ou on fera une commande. Putain, quel con. J'ai loupé un tir ou comment ça se passe? C'est où? Vas-tu faire les New Game Plus sur The Messenger? Le New Game Plus, non. Le DLC, oui. Putain, je m'attendais à une petite matriarche, je suis déçu. Nice. Je me tire. Sur le côté, c'est plus parce que j'étais salé vu qu'on m'avait vendu du rêve. Messenger, je l'ai fait car j'ai vu ton commentaire. Baisse décision. Si, il a dit. Ah pardon, j'ai juste pas vu. Ah, parce que t'as été salé parce que... On t'avait vendu comme du rêve et finalement c'était pas si ouf. Alors... Je sais pas, moi je le vendrais pas comme du rêve, c'est juste que c'est un très bon jeu indé de 2018. Heureux. Et je sais pas, c'était rafraîchissant. Oh, putain, ah oui, quand je tape dans le mur. Quel débile. Attention parce que là j'ai pris pas mal de coups. Nice. Alors que c'est le best jeu, ouais. C'est le best jeu. C'est ton jeu. The Messenger, c'est ton jeu. Non, mais j'aime bien. C'est chaud, mais j'aime bien. Bah, c'est mi-chaud, quoi. Il y a de la difficulté, mais c'est pas non plus l'enfer, tu vois. En fait, j'aime bien. Il y a les fast platforms. Ouais, ça va devenir un peu différent, mais t'auras toujours ce délire-là. Mais la deuxième partie du jeu, elle est bien, quand même, hein. Enfin, surtout qu'il te reste pas mal de trucs à faire, enfin, pas mal de nouveaux niveaux à découvrir. Ah, mais se conditionner par la vie des autres, c'est quelque chose de très humain. Hein. Après, j'ai envie de spammer, mais... Je sais que dès qu'elle part en l'air, c'est la baise. Ouf. Ok, il nous reste plus qu'à tuer Isaac. Pour un 2-0 gratuit. La partie Metroidvania est pas assez intéressante pour moi. Ah bah la partie Metroidvania elle est clairement pas incroyable. Mais en fait... C'est sûr, en fait c'est un peu... C'est juste que ça a jamais vraiment été fait ce délire de changer un plateforme action en Metroidvania en plein milieu. Et c'est une première tentative et je trouve ça vraiment bien foutu. C'est pas incroyable, c'est juste bien foutu. Mais en soi, ça rend pas le jeu mauvais ou quoi. Mais c'est pas non plus une raison pour survendre le jeu, tu vois. Tu peux pas dire, oh mon dieu, il y a un moment, ça devient Metroidvania, c'est juste incroyable, meilleur jeu que j'ai jamais fait. Non. Mais genre, c'est assez original et assez bien foutu pour que ce soit plutôt une qualité qu'un défaut. Enfin, c'est en même temps une qualité et un défaut, mais en même temps, tu peux pas du coup dire que le jeu est pas bon. Mais tu le dis toi-même, enfin, tu parles de surcoté, tu parles pas de jeu de merde. C'est juste parce que t'as été salé pour la partie Metroidvania, peut-être qu'on te l'avait survendu. T'as dit, oh mon dieu, ça devient un Metroidvania en plein milieu du jeu, c'est ouf.
Salut Servietsky. Bienvenue. Pose-toi. Ce qui fait la diff pour The Messenger, c'est les contrôles, un des plateformers les plus agréables. Ouais, plateforme action, c'est vrai que le jeu est incroyablement propre à jouer. Il n'y a pas de mauvais gameplay, tout marche très bien. C'est nice. Paf. GG. 2-0. 2-0, je prends mon envol ce soir. Ça fait plaisir. C'est pas comme il y a deux semaines où je m'étais fait chier dessus. Je te souhaite bien du plaisir. Du coup, nous allons pouvoir reprendre. Je vais réouvrir un petit point d'exclamation défi. C'est maintenant. J'écris défi dans le chat puisque vous pouvez respam. Et je vais remplir la bouteille d'eau le temps que vous spammiez vite fait. J'en ai pour 2 minutes. Même pas. Putain, mais vous êtes N dans le raffle. J'ai pas de carte. T'as pas de carte? Ouais. T'attendais presque à voir Reguman apparaître? Non, pas. Reguman, il a failli venir cet après, il m'a dit... il me voyait galérer sur Kaizo Mario, t'as été... Tu veux que je vienne? J'ai fait, Regu, écoute, réserve-toi pour les niveaux d'après. Ça a l'air un peu chaud. Bah alors c'est parti, c'est Paul Bismuth. Paul Bismuth qui a peut-être déjà gagné, enfin en tout cas, le pseudo de Paul Bismuth... Il n'est pas anodin. Du coup, Paul Bismuth, tu peux nous donner ce que tu veux. C'est maintenant. Ah, il n'a pas déjà gagné. Peut-être que si, hein. Peut-être que non. En tout cas, voilà, hein, si vous spammez et que vous gagnez, vous gagnez. Gridior mode sans aucun shop. Quoi? Non mais... Attention, Paul Bismuth. T'es-tu relu, Paul Bismuth? Est-ce que... Parce que c'est compliqué quand même. Non mais aucun shop. Au moins la Treasure Room, bah bien sûr, mais j'ai pas accès à la Treasure Room. Non mais attention. Il y a les DD, les rooms. Non mais attendez, au moins je t'ai des clés, des cœurs, pas de clés. Bah je tente. Ah bah oui, mais là, oui, oui. Pas de shop égale pas de clés. Tram, mais attendez, il n'y a aucun perso qui peut faire ça. Même Azazel, il est pas assez bon pour Gridior... Juste grid. T'as les sacrifice room pour clés, maybe. Peut-être des clés dans la curse room. Bah non, mais là, vous avez un 2-1 gratuit, mais c'est sûr que c'est pas très balanced, quoi. Mais bon. On peut le tenter, si vous voulez, hein. Je suis pas contre l'idée, hein. Enfin, si, mais c'est chaud, quoi. Kane commence avec une clé. Eden avec Skeleton Key. Putain, j'avoue. C'est vrai que techniquement, j'aurais pu start un Eden avec un starter de ouf. Genre Godhead. Eden, Godhead, ça m'était bien. Putain. Il m'a pop dessus, lui. Il a dit OK pour les clés. OK, juste pour les clés. OK, donc j'ai le droit d'aller chercher les item rooms. Ouais, parce que sinon, j'ai 0 item room. Enfin, j'ai juste les boss rooms. C'est assez faible, les boss rooms. Avec les clés, je considère que c'est un challenge vraiment fair. Enfin, c'est dur, mais c'est fair. Genre, j'ai le droit quand même à quelques trucs, quoi. Ce genre, sans les clés, c'est chaud. C'est chaud. Ça brûle. Ça brûle. Ah, le pire. Le pire. Il le chante. Gâter le coin. Eh oh, eh. Putain, il y avait Squeezie.
Oh bah attendez, j'ai même pas besoin d'acheter. Oh, j'aurais rêvé d'une cricket sed là-dedans. Bon, j'achète juste des clés. Avec clés, c'est possible. Avec les clés, ça se tente. Oh, ouais. Avec les clés, ça se tente. Mon monstros, enfin, tooth shot ne sert à rien avec Azazel. Mais là, je trouve le défi, il est faisable. Je vais peut-être pas le réussir, mais ça se tente. Ah, le con, je l'ai vu. J'ai même pas besoin d'utiliser The Fool, à vrai dire. Grid oui, grid ailleurs non. Oh, sait-on jamais. Ayons confiance. Il va nous falloir des bonnes godrooms qui nous donnent bien bien plein de choses. Tout shot Azazel égale dégâts. Il me semble pas, hein. Il me semble que c'est vraiment genre juste inutile. Pour la phase 2, c'est l'enfer. Un broken modem. Je vais me blinder de clés. J'aurais pas de cœur rouge, on est d'accord. J'aurais jamais assez. En vrai, sur un couteau ou quoi, on se met pas si mal. Hein. Comment ça, on est ? Comment ça ? T'as une map, non ? Ouais, mais il y a un carré vert et un autre carré vert. Ah, non, mais... Ah, ok. Carré vert, il sert à quoi ? Ah, c'est pour dire qu'il y a des... Ouais. Je veux pas spoil. Des trucs verts ? Bah, je sais plus, mais... Les sauts du pouvoir ? Ouais, voilà, c'est ça. Bah, je l'ai trouvé. J'aurais passé ma carte. Mais le jeu, il est intéressant à 100%, c'est ça qui est rigolo aussi. Ah mais les cartes elles se découvrent pas tant que tu les as pas visitées. Eh oui. Faut que tu retournes aux endroits. Et t'as vu la mécanique aussi en plus de ça ou pas? Y'a un petit truc en plus encore. Y'a des énigmes. Non mais De musique. Oui mais encore autre chose. Y'a pas une sorte de passage entre les mondes. Des portails. Ouais. T'as le 2. Mais non! Est-ce qu'on prendrait pas plutôt les Godroom? Hey, t'as pas remarqué que tu pouvais switch entre. Entre les mondes? Ouais. Entre les zones? Ouais. Non, pas entre les zones. Ah, mais c'est peut-être. Tu découvres peut-être pas ça dès le début, je sais plus. Enfin, tu verras. Parce que là, t'es en 8 bits ou en 16 bits? Je suis en 8 bits, je crois. Je sais pas c'est quoi, ça ressemble à quoi le 16 bits alors. Bah 16 bits c'est depuis que t'as fait la tour du temps, après c'est passé en 16 bits. Depuis que t'es l'espèce de ninja du futur là. Je suis en 16 bits alors. Ok. Si j'ai fait la tour du ninja du futur. Mais putain, je suis trop nul. Ah, j'ai eu de la chatte sur les cœurs rouges, c'est un enfer. Hein. Ce petit... On devrait pas prendre la paille en vrai, la paille elle est bien non? La paille elle met pas genre très bien. Tempérance. Quoi? La paille c'est OP. Je sais pas si c'est OP mais il me semble que c'est un pourcentage de dégâts que ça enlève au boss. Du coup je pense que ouais c'est pas mal. On va voir comment ça marche. De 10% des PV. Donc même sur Gridier et tout, ça suce 10%.
Surtout si t'arrives à choper des cœurs rouges, tu pourras te faire max cœur sur Ultra Grid. La paille, ça suce des cœurs bleus en plus. C'est stylé. Non. Non. Ah mais casse-toi un jour. Oh pas lui, putain. Lui c'est le pire. Pire brasseur celui-là. Ouais, ça a l'air d'être 10% même sur les boss, hein. Ça a l'air d'être craqué en vrai. Mais je suis trop con. Ouais, ça a l'air d'être 10% peu importe la situation. Ah, qu'est-ce que c'était? Ah, il y avait un caca. Je suis tellement blindé de thunes, là. À mon avis, sur les boss, c'est capé. Bah, ça a l'air d'être 10%, hein. Mais attends, on va retenter, là. Ah, tu vois, ça enlève bien 10%. On va essayer de les finir, tiens, qu'à la paille. Juste pour tester. Expérience sociale. Non, tu vois, c'est... Non, en vrai, c'est craqué sur les boss. Après, sur les boss de fin, genre Gridier, tu penses que ça change? Je sais pas. En plus, l'autre, il est en train de me gaver de bombes, là. On va voir si on peut tuer à la paille. Ah, on peut totalement tuer à la paille. L'autre il est déjà mort. Ça a l'air d'être PV actuel, pas PV max. Ouais. Isaac's current tier damage plus 10% of the enemy's max health. What? Pourquoi j'ai perdu des dégâts par contre? Ça a été nerfé de ouf, Ludovico. J'ai eu le donut. Du coup là j'ai même plus besoin de la paille ou quoi que ce soit. En vrai là pour Grid, pour Gridier maintenant j'ai le build. C'est marrant, je vous ai déjà raconté plusieurs fois que la première fois que j'ai joué à Azazel sur Rebirth, le premier objet que j'ai eu avec Azazel c'était ça. Du coup j'ai pas compris le perso, j'étais en mode ah ouais quand même. J'étais en mode oh putain, c'est un peu craqué. Il faut la leaf. Ah, j'avoue que la leaf fonctionnerait, c'est vrai. On aurait jamais dû y donner les clés. Ah mais ouais, mais bon. Merci beaucoup Stephens pour 6 mois, le badge bleu, des gros bisous. Merci pour le sub. Le resub. Ah, elle est magnifique cette musique, putain. Ah ça draine, mais c'est pas non plus... Incrédible. C'est juste bien tiers, quoi. C'est quoi ça? Je crois que j'ai découvert le dernier truc. C'était quoi? Je crois que je passais dans un portail bleu et ça a changé le monde. C'est bon, tu viens de comprendre les portails, hein? Je crois bien. Le switcher entre le passé et le futur. Ah bah que à l'endroit où il y a le portail. Là il y avait un portail incongru quand même. Continue de spam la paille en même temps, tu vas avoir trop de... Ah la paille. Ah j'avoue. T'as dit quoi? Je suis mort.
sur des picots. Ludovico, je crois plus que ce soit un item spécial, non. C'est plus un item spécial, Ludovic. Ça, c'est aussi c'est ultra pété, ça. Shot speed up, c'est bien, ça va nous permettre de bouger ce truc plus rapidement. Strength, c'est cool. Mais j'ai trop envie de tester la paille pour prendre autre chose. C'est une blague. Les cabas sont-ils trop lourds? Ils sont trop lourds, les cabas? Je me fais bien le cul. Oh, au secours, au secours. Oh, je vais me prendre des brimstone et des machins. Pinking Shear, c'est free win. C'est vrai que Pinking Shear, c'est fort quand même. Mais on va pas le prendre. J'ai trop envie de tester la paille. J'ai envie de boire les ennemis. Oh, arrête, hé. Depuis qu'il touchait un pixel de mon pied, je suis mort. Ah, bah, comme moi cet après-midi avec les poissons dans Mario. Je nageais une frame sur le... je nageais un pixel sur le poisson et je me faisais baiser. Est-ce que je me suis plaint? Oui, mais c'est parce que tu cherches la merde aussi. Aïe. Ah oui, non, mais c'est vrai que je peux pas prendre les bombes. C'est marrant, tous ces boss qui, en un seul trinket, n'ont plus aucun sens, en fait. Tu prends le trinket et le boss n'a plus de sens. Comment ça s'est passé, Mario? Bien, on a fini un niveau. Spoiler, la paille lui fera pas de damage. C'est vrai? La paille, ça fait pas de dégâts à... au dernier boss, c'est capé. C'est chiant. C'est chiant. Ivre, il boit la concurrence. Ah, ça aurait pu être la cricket scène, sans déconner. Là, je peux skip l'étage si je veux. En vrai, quel intérêt j'ai à faire cet étage, à part pour une god room? J'aimerais le savoir. Ouais, une god room, ça vaut quoi? Ouais, ouais. Hein? Oh, ça va vite. Mais du coup, ça sert à quoi t'as vu? Aïe aïe aïe. Mais... hein? Mais attends, mais... le trinket il marche pas contre eux? Da fuck. Eh, c'est bon à retenir ça, hein. Genre y'a des... le trinket sur ce boss là il ne fonctionne pas. Pourquoi? Est-ce que c'est considéré comme un docteur fœtus qu'ils ont? Je sais pas. C'est pas des troll bombes. C'est docteur fœtus quoi. C'est considéré comme du docteur fœtus. Oh merde, des autres améliorations. C'est pas des trolls. Ouais, c'est juste des bombes qu'ils envoient. Allez, boum. Je vais péter un masque déjà. Oh la vache, il y a du people. Et il court si vite. Ok, go. Trinity Shield ou l'aura boost? Trinity Shield c'est fort, mais l'aura boost ça peut être rigolo. Putain, j'ai eu de la range, ça sert à rien. Oh les bâtards. Ah ouais, ok. Oh les bâtards. Donc en fait j'étais en 16 bits, là je suis en 8. Et voilà. Il a compris. Ah monsieur, je suis passé par là. On va claquer strength. Mais du coup ouais. Ça marque pas quand je les ai déjà eu. Ah oui, ça lui fait pratiquement pas de dégâts, bordel. Pourquoi
Pourquoi la paille contre lui c'est nul, contre tout le reste du cast c'est bien. Contre lui ça pue la merde quoi. Super. Super. Ça fait quand même des petits dégâts. Hein. Ça a quand même son intérêt non négligeable. Oh putain. C'est genre 2%, c'est pas rien. Ouais, ça a l'air. Papam, papam. Ah, le pire. Je le déteste. On te déteste. Moi aussi. Pire mode de jeu. Oh non. Putain, j'ai géré là. Ah, du coup, je suis. Ouais, c'est cassé. Ah, je suis capable. Ah, d'accord. Oui. Nique sa mère, ce jeu de merde. Non. Du coup, chapeau, je dois aller. Ça me casse. T'as pas des... Y'a pas un... Le mec, il t'a pas dit d'aller à des endroits hein. Ouais, mais... C'est scripté. Il me semble qu'il y a plein d'indices, hein. Y'a plein de moyens d'avoir des indices dans le jeu, je crois. Putain, pas lui, quoi. Ah, le pire. Je le déteste. Attends, pour l'instant, tout ce que j'ai, c'est un cul-de-sac. On met des dégâts, hein. Je on met plus de dégâts. En fait, je suis plus Keblo. Ah, mais il ramasse de la vie, c'est vrai, quel bâtard. Faut que je ramasse les pièces, sinon il se soigne. Je déteste. Aïe. Quel grand bats. Il y a une note de musique par par zone. Non. Je sais plus. Si peut-être, je sais plus. Ah, t'as plusieurs notes de musique, où est-ce qu'elles sont exactement? J'ai envie de te dire des merdes de toi. Putain, j'oublie pas la paille, mais c'est pas très utile. Quel bats. Je suis sur lui, je suis sur son cas. Aïe. Il est où? On s'est vraiment fait chier à refaire tout ça en orisette. Putain, je suis vraiment trop con. Il prend cher. Non. Il prend cher aussi. Quel boss de merde. Tiens, on va mettre des pièces. Putain, toutes ces pièces. Oh, il y a tout qui rentre. Et hop. GG. Sub 20 minutes, on a fait encore 3-0. Bon, écoutez, je pense que pour YouTube, on va s'arrêter là. Hein. On va arrêter sur le 3-0, la Coupe du Monde. Et nous, on continue avec, avec l'OST de base. L'OST du stream. Et l'OST du stream, on en était d'ailleurs au cactus. Allez, au revoir.